tes douceurs, c'est que me paie. Que mon pouvoir aussi. Oui. C'est moi la femme de Paris, c'est qui a le sang Bangus. Quatre femmes. Hein? Et tu veux que je t'amène là-bas? Pourquoi tu deviens encore plus délinquant? Vas-y, danse. Non. Jetzt rasch mich langsam. Ich kann nicht mehr. Ok? Fais comme ça, maman. Ah. Emma. Bon boy, attends, mais non. Emma, non. Oui, on va chercher quelque chose à boire, non. Oh, oui, pas acheter un boire, c'est. Oui. Non, on va boire au bar, non, maman. Comment ça? Pas là-bas. Comment ça au bar? Non, du coup, viens d'abord ce soir. Allez au bar, comment? Il fait très chaud, moi. Ok. Demande à Bobo Josie d'aller acheter un truc à boire. Il fait trop chaud. Hein? Je sais, non, je sais avant qu'il fasse chaud. Regarde comment il fait au moins 40 degrés. Maman, tu ne peux pas venir. On boit aussi, on doit boire là-bas au bar. Les gens du quartier se doivent voir que je ne mens pas que mon soeur vient de le vélo. Je ne suis pas motivée. J'aime le beau rouge à lèvres pour rien. Tu vas arriver là-bas, tu vas commencer à donner la pied aux gens et tout. Je ne veux pas. Oui, mais je voulais vraiment qu'on reste ici ensemble. Nous, on semble dehors. On semble dehors, les ennemis nous voient. Oui. Nos ennemis doivent voir que bon, Dieu est au pouvoir. C'est bon, on va partir. D'accord. Maman, je prends mon lumette. Les lumettes, c'est toi, ça là, non. Prends ça. Je n'ai même pas encore ouvert la valise parce qu'il y a des choses que je vous ai apportées. Je sais. Mais maman. Quand il y a un maillot, je vais m'asseoir, maman. Je vais prendre les lunettes parce qu'il fait vraiment chaud. Non, prends les lunettes. Regarde le téléphone de ma soeur. Tu te touches comme ça, tu sens que ça sent. Ça dit seulement que véro. Mon ventilateur, viens. Parce que. Il y a la charrette ici. Tu dis que ce n'est pas le marché que donne la musique ici. C'est le ventilateur en fait. Hé, le blanc. Tu vois que c'est les écouteurs? Oui. Non. Tu entends quand l'air sort de là en fait. Waouh! Waouh! En partant, je vais te laisser ça comme ça. Maintenant, quand tu n'auras plus trop chaud quand tu marches ici dehors. Hey! Enfin, tu ne vas pas. Allons, on part, on finit, on rentre vite. Hey! Bon, José, apprêtez-vous, on va voir quelque chose avant. On part, les enfants, le futur européen. On part avec votre tante, on part boire quelque chose. Vraiment. Tu ne changes pas. Hein. C'est ça, c'est que moi, c'est une chose. J'ai été tendue des années. Tu n'es pas arrivé. Hey. Ça prend du temps. Hein? Ouais, hala, ouais, là, papa. Maman, viens avoir le fatigue. Non, non, mon sein, moi, on va changer de milieu. Je vous suis. C'est quoi? Je vais là. Changer le milieu, moi aussi, je vous suis. Je suis au team Bengis. Un intérêt, là. 15 000. Tout ce qu'on a vu là, c'est 15 000 francs. Oh, oui, le cher était. C'est cher. On a doublé, non? On a fait le doublage. Lui aussi, les aéris, vraiment Dieu. C'est Dieu depuis, non? Il y a quoi? Les aéris. Les aéris? Mm. De qui? De la maman, non? Ok. Ça veut dire que ça fait 15 000 et les aéris de 20 000. Mm. Ça fait un total de 35 000. Oui. Das geht nicht, ja? Nein, das geht nicht. Nein, das nervt nicht langsam, ja? Nein. Was soll das? 35 000. Oui, oui, c'est ça. Non. Est-ce que le prix est petit? Ah, d'accord. Ne touche pas mon sein. Non, je n'ai pas besoin de prix, man. C'est quoi, maman? Né. Quand je commence à te dire né, tu dois comprendre que ça ne va plus. Elle dit que non. Nein, das nervt mich. Wirklich. Nein.
Ma... Da, da, yet bin ich wirklich sauer. Ma elle quoi? Okay. Elle va vous taper parce que vous êtes les enfants. Sauer bedeutet, je suis fâché. Tu n'as pas dit que... Monsieur, posez mon verre là, s'il vous plaît. Merci. Ma tu es fâché quoi? Non, 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 non. Pour un petit tour de bar, je suis à 35 000. Attends, tu crois qu'on cueille l'argent là-bas ou quoi? Ok, à manquer. Non, paye les argent ou pas, non? Si, pour une sortie, je commence à 35 000. Alors avant que je ne rentre... Alors, j'aurais plus rien dans mes poches. Hein. Parle d'allemand, je vais non, non, parle d'allemand, de Nord Germany. Non, mais allô, quoi. Ça va, hein? Maman, tu entends ce qu'elle dit? De que maman, tu es fâchée. L'école fâchée. Parle ton chose. Tenez, monsieur. Je crois que c'est votre. C'est 35 000. Attends, je compte. Rembourser le 5 000 que j'ai en haut. C'est 40 000, monsieur. Oui. Vous devez me rembourser 5 000 francs. Maman, ne fâche pas. Ton maman, ton lab, Mengilo. Ça dérange. Hein? Ça dérange, oui, ça dérange mes poches. Ça dérange. Toi, c'est moi, non? Né. Ah, du né, qu'elle a compris. Né, bedeutet nein, ça veut dire non. Tu me payes le petit argent, je fasse comment? Quand toi-même tu rentres, tu viens de payer, tu veux faire mal. Il faut pleurer. Maman, on est habitué. Nous sommes devant les gens. C'est ton comme ça. Avec toi, moins de temps comme ça. Parfait, il faut pleurer, maman. Ce n'est pas le sang qui coule sur tes yeux. C'est moi. On moque de moi. C'est quand tu n'es pas là. On moque de moi. Merci. Tu envoies tes neveux. Oui, mon neveu va venir. Je n'oublie pas, monsieur. Ok, maman, merci. Dès qu'on arrive à la maison, là, je fais la monnaie. Vous venez apporter ici. Parce que si vous n'apportez pas. Nous ne sommes pas comme maman, on va apporter. Non. On ne dit pas ça, je te permets pas. C'est ta mère. Merci, ma femme. C'est la dernière fois. Manque trop le respect à maman. C'est comme ça que tu parles à ta mère ici, là. On ne va pas s'entendre, hein. Ok? Ya. Genau. Jetzt reich langsam, ne? Voilà, elle dit que tu es malhonnête et puis un enfant que ton papa t'en a abandonné sans laisser même l'argent. Toi aussi, n'arrive pas là-bas. Laisse l'enfant. Annoie le mécanique. Faut pas que... Tu parles à l'allemand? Moi, je prédis ce que mon sœur dit. Je prédis. Maman, bon, allons changer de million pour tout manger danser. Je ne pars pas. Je rentre à la maison. Noir. Tu vas partir le soir, de nuit. Toi, dis qu'on va où là? Au Soumangé. Soumangé? Ça veut dire qu'il y a les mangues là-bas ou quoi? Non, 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 c'est le nom du bar. Le Sena, ça chauffe ces deux. Mais pourquoi tu aimes les bars comme ça? On est déjà ici. On finit, on rentre. Moi, j'ai chaud. Regarde comment je transpire. Regarde tout ça. Je veux partir. Arrivé hier, mais tu veux d'abord me faire tout le tour du quartier. Ça va, je veux partir moi. Oui, seule. Tu peux partir si tu veux. Tu vas me donner le 5 000 avec les enfants. Tu vas me donner le 5 000 là, je parle. Tu vas me donner le 5 000 là, non. Que reste en haut. Je passe le mambo. Tu vas tes aérés. Je passe le là, si tu continues, il faut que je t'amène faire les examens si tu n'es pas langsam alcoolique. Parce que je vois que tu bois beaucoup. Hein. Mais non, que je veux venir, ça, j'ai quoi. Non. J'ai des boyons. Il faut que je te fasse des alcotests. Kakoko qui? Pardon, façon, on part. Non, on rentre avec notre juge. On va partir avec. Attends, non, on va. Porte pour maman. Laisse le sac là. Lève les choses de vos filles et de ma sœur. Tu m'as dit dans le sac, c'est comme ça. Les filles, les femmes que sont là vont faire quelque chose avec tout à l'heure. Je ne blague pas de mon sœur. On m'a parlé, c'est là, voilà ça que mon sœur est venu payer le parti. Après, vous allez me parler fort. Oui, dans le parti, c'est ça. On parle. Qui me paye? Qui me paye aussi? Personne ne me pouvoir. Oui. C'est moi la femme de Paris qui a le sang bangus. C'est pas dans les choses là. Non, laisse-moi, je vais dire la vérité. Tu es voisine là. On parle. Elles sont là les buvants. C'est vous nous purgez maintenant. Vous restez seulement là pour attendre mon sel. Elles ont des travaux. Alors, maman, tiens devant, vous êtes le futur bangus. Merci beaucoup. Merci, au revoir, à la prochaine. Au revoir, merci. Mon enfant, c'est le futur bangus. Baman. Toi, tu vas rester sur le bar toute ta vie, hein? C'est ça. Nous, là, le chassis que tu vois, tu vas prendre les avions bientôt. Tiens, Sylvie. Bonne soirée. Tu me vois avec le Paris, mais non? Va, on part. Non, je parle encore un peu. Ouais, maman. Quelle chose,
Hein? Entre. Oui, c'est bon, tu peux entrer. Maman, hein? Josie. Oui, c'est comment? Ça va, et toi? Ça va? Ça va, maman. Mmh. Ah, je te dis le ça. Les secousses des avions te dérangent. Mmh. C'est pas grave, c'est comment? Ça va, ça va. Et que je vais déjà aller au marché, hein? Je suis venu prendre les argent pour passer. Mmh. Okay. Non, 25 000 francs seulement. 25 000 francs? Mmh. Ah, pour acheter quoi comme ça? Je veux faire le grand marché, qu'on sache comment ça. Mon sœur est venu de Véro. Je t'ai demandé de faire attention à l'argent. Je ne veux pas que je sois arrivée, j'ai l'impression que tu crois que l'argent, là, on cueille ça dans, sur les arbres là-bas en Europe. Depuis que je suis arrivée, tu ne fais que faire des dépenses, des dépenses, des dépenses. Maman, tu n'es pas là, je souffre, tu es là, je souffre. Bon, on va faire quelque chose. Je vais te donner 100 000 francs. Mmh. Écoute bien. Je vais te donner 100 000 francs. Non, attends. Non, ne ris pas. Écoute d'abord, 100 000, c'est pour tout le temps que je suis là, un mois. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire que c'est 25 000 francs par semaine. Mm-hmm. 5 000. 100 000. Tu penses que tu peux gérer ça, hein? Nous sommes que quatre ici, là. Toi, moi et les deux enfants. Je vais utiliser. Ok. Tu as bien dit que tu vas utiliser. Ok, tu n'es pas. Ok, parce que je ne veux pas, après, ne reviens pas vers moi. Ah, je te mets un peu de mots. Attends, ça va. Comme toi, tu ne fais qu'utiliser l'argent. Tu crois qu'on ramasse ça là-bas. Hein? Eh, tu n'ajoutes pas 10 000. Non, je mets pas. Mon sœur, 5 000, bien compté. Je vais charger tout l'argent. Mais je sais, je charge tout le monde. Tu vas tout finir. Donc, je charge un peu. Non, je ne finisse pas. Mm-hmm. Ok, je rêve. Hein? Mais tu prépares quoi? C'est toi, dis-moi, dis-moi ce que je prépare. Attends. C'est un bon petit bongo, cocon. Avec le macabo. Le macabo et l'huile. Le tapas avec l'huile, comme maman faisait avant. Voilà. J'arrive, hein. Mais si quelqu'un cogne sur le porte, tu ne sors pas. Je n'ouvre pas la porte. Les enfants sont là-bas au salon. Oui, si je ne sais pas là, tu ne sors pas. D'accord. À tout à l'heure, hein. Oui, c'est bon. À tout à l'heure. Vraiment, ma soeur Simèle. Ah! Alors vous rentrez chez vous, hein? Parce que vous êtes que tout le temps que mon soeur, si vous venez chaque fois, chaque temps venir me rendre, vous êtes non. Maman, ça va, hein? C'est comme ça, non? Quand il y a une... C'est quoi, on est toujours là. Hé, 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 hé. Josie. Bonjour. Maman, l'or. C'est comment, ma soeur? Bienvenue, maman. J'espère que tout va bien. Non, ça va, maman, ça va bien. Ah, ok. Maman, non. Moi, je ne vais pas bien. C'est même pas que j'attendais. Qui ça? Moi. C'est même pas que j'attendais. Tu le temps que tu le connais, hein? Elle me doit 5 000. Et puis là, 5 000 francs. Elle ne m'a pas encore remis. Tu es obligée de le dire. Hein? Quand tu m'as remis, depuis que tu m'as promis. C'est elle que t'as pris les argent. Depuis. Maman, depuis là, je t'avais dit ça. Dans les 100 000, ça passe. Je t'avais dit ça, non? Depuis que sa sœur est venue. Attendez. Elle m'a fait quoi? Elle me doit 5 000. Elle ne m'a pas encore donné tout. En gomme. Maman, tu y as. Hein? Ne me fais pas, ne m'énerve pas. Tu as compris, non? Ne m'énerve pas. Je t'ai pas donné 100 000 ce matin quand tu partais au marché. Mais alors? Prends 5 000 sur les 100 000 francs que je te donnais, tu remets à la dame. Les argent que tu m'as laissé, j'ai utilisé pour boire le vin. Ça ne me nerve pas. Ah non, là, ça commence à bien faire. Ok? Ce n'est pas ce matin que je te donnais 100 000 francs. Mais maman, j'ai... Ah, t'es grand, mais là, tu crois qu'on cueille l'argent là-bas? Ça va, maman, ne fâche pas. Ne fâche pas, maman, je veux payer. Canard. Vazaldas! Non. Yet, rache mich langsam. Mich kann nicht mehr. Ok? Ya. Elle dit que vous sortez, vous me dérangez. Tu gères ça avec elle, c'est bon là? Oui, ya. Non mais. Oui, maman, ne fâche pas, je vais gérer, ne fâche pas. Oh, comment? Tu me vois là, maman. On sort comment? On prend les argent. Tu as laissé mon chien. Tu mets l'argent sur le pied. Elle a dit que tu cherches quoi comme ça? Mon argent, non, maman. Alors tu mets l'argent dans les chaussures. Maman, maman. Je n'ai pas mis 10 000 ici. C'est toi qui l'as demandé.
Laisse ça. Vous allez déchirer ça. Moi, je ne serai même pas avec vous. Hein. Tu vas donner ça à moi. Faut partir, mon sœur. Oui, fâché. Je te donne ça. Mm-hmm. Tu me donnes tout à l'heure. Et moi, alors. Oh, quoi? Mmh, pas mal. Elle est fâchée. Tu connais mon sœur. Hein? Pardon, faut partir. Laisse comme ça, c'est fini. Hey, elle a dit comme ça, elle est fâchée. Rentrez, ouais, où, nana? Mais doucement, tu nous chasses seulement. Maman, fais fâchée, maman. Tout à l'air, non? C'est bon, je peux te la nourrir. Tu n'as pas encore donné ça. C'est parfait. Allons, là, va là-bas, tu as demandé ton sang, tu vas acheter le parfum. Parfum, là. C'est qui sont là-bas? Là-bas. Passe ton flac. Rentrez. Maintenant, mon soeur se fâchée, elle a parlé les balayements. Quand elle est non-jose, si tu entends chose de parler, le balayement, c'est que le fâché. Bombo, Josiane. Tantine. Viens. Ton frère est où? Il arrive. N'appelle le nom. Il arrive. Tu es venu t'asseoir. Qu'est-ce qu'il y a? Va chercher ton frère, pardon. Pourquoi vous êtes comme ça ici? Vous êtes un jar, hein? Vraiment. Oh. Parfois, votre maman a vraiment raison de vous donner des petits clacs sur les doigts. Bon. Mm-hmm. Ça va? Ça va. Ok. Bon, mais voici, le séjour est fini. Moi, je vais bientôt rentrer. Je vais prendre l'avion ce soir pour rentrer. Et comme je vous ai dit la dernière fois, Bombo, j'espère que tu vas passer le BPC. Mm-hmm. Parce que si tu passes le BPC, je vais faire en sorte que tu viennes continuer l'école en Belgique. Toi, tu attends d'abord le bac. Tu as déjà plus de 16 ans. Normalement, quand on a plus de 16 ans, je ne peux plus te faire venir comme elle. Passe d'abord le bac. Tu as déjà doublé deux fois. Ou doublé ou triplé, je ne sais pas. Je ne sais pas, tu as déjà fait combien de fois? 4 fois. Hein? Tu dis 4 fois, non? Et tu veux que je t'amène là-bas pour que tu deviennes encore plus délinquant? Non, je ne suis pas délinquant. Non, mais maman m'a dit tout ce que tu fais ici. Ce n'est pas normal. Hmm? Donc, tu me promets de faire les efforts d'avoir au moins ton bac. Promis. Quand tu as le bac, on va essayer. Et j'espère que tu ne vas pas aller entrer dans l'eau et tout comme les gens font là. C'est très dangereux. D'accord. Tu promets? Je promets. D'accord. Et toi, fais attention. L'école, la maison, et tu écoutes maman. Si tu fais un petit dérapage comme ça, c'est fini. Tu n'as pas l'énergie pour gérer les problèmes, surtout pas de grossesse ici. Non, tu dis non là, je dis, si tu essayes, je vais prendre l'avion pour venir m'occuper de toi personnellement ici. Hein. Hast du verstanden? Hast du verstanden oder nicht? Ça veut dire que, est-ce que tu as compris? J'ai compris, tante. Voilà. Il faut que tu nous apprennes aussi ça. Peut-être. Oui. Mais justement, quand vous allez passer, je vous ai d'abord fait les cours de langue. Voilà, je vais en parler avec maman. Ok. Okay? Bon, le reste, je vais tout laisser à maman. Elle va vous donner. D'accord, merci. Okay? Mais de toute façon, on va aller à l'aéroport. Mais je vais seulement discuter un peu avec vous. Lève-vous. Ma maman ne va pas donner ce que tu vas nous donner. Elle va vous donner. Maman, tu sais, Tantine a dit qu'elle va nous laisser. Elle va vous donner. Il faut passer. D'accord. Passer, mon soeur, pas déjà. Je dois lui dire au revoir. J'ai mal sur le cœur. Non, maintenant. Maman. Tu pleures quoi? Tu sais pas que quand on voyage, on ne pleure pas. Tu pleures quoi? Je pars déjà. Mais c'est toi qui avais dit que tu ne veux pas venir à nous. Tu restes ici pour t'occuper de tes parents. Les parents ne sont pas là. Je dis de faire les efforts pour venir là-bas. Tu ne veux pas. Tu veux que je fasse quoi? Je voulais d'abord discuter avec toi. J'ai parlé avec les enfants. Mais je voulais aussi parler un peu avec toi. Parce que j'ai vu un peu comment tu vis ici. Ça ne m'a vraiment pas plu, maman. Franchement. Tu gaspilles beaucoup d'argent. Je te promets, on se réveille à 6 heures pour aller casser le caillou. C'est comme ça qu'on dit ça là-bas. Que bongo. Parfois, tu travailles de 6 heures à 20 heures. Quand tu rentres, tu n'as même pas la force de manger dans ta bouche. 6 heures, 20 heures. Mm-hmm. 6 heures du ça matin. Ça veut dire que quand je prends souvent même 1 euro pour t'envoyer, il faut comprendre que j'ai souffert. Parfois, il fait moins 10, moins 20 degrés. Mais il faut quand même sortir. Parce que sinon, tu vas faire comment pour payer le loyer? Pour payer la nourriture, pour s'occuper des enfants, pour t'aider aussi ici. Et quand on t'envoie l'argent, tu prends ça, tu vas au bar.
Quand on laisse la vie comme ça, maman. Hein? Il faudrait peut-être que je te fasse venir un de ces jours. Tu vis. Non, maman, si, si, si. Parce que là, tu vas comprendre l'importance de l'argent. Moi, je ne veux pas rester dans les morgues, venir rester dans les morgues sans mourir. D'abord, vous êtes là-bas, mourir, vous êtes dans les morgues. En tout cas, je voulais te dire quelque chose. Oui, maman. Voilà. Tu comprends, tu as vu, dès ce jour-là, je t'avais dit qu'il y a un chantier où je monte, je descends, je suis venu contrôler ici. Normalement, ces papiers-là, je les ai laissés dans une chambre là-bas. C'est une enveloppe. Et dans cette enveloppe-là, il y a un titre foncier. C'est le titre foncier à ton nom. Titre foncier. Un papier qui montre que le terrain-là et cette maison-là, c'est à tout à ton nom. Pour que dès que c'est fini, toi et les enfants, vous allez rester là-bas. C'est mon maison. C'est ton maison. Que tu m'as construit. Toi, mon sœur. Mais on va faire comment pour finir la maison là si tu passes ton temps à boire. Je ne bois plus. Tu dis que tu m'as. Je dis que la maison qui est là-bas. Aïe, Amagnon, maman. Et il faut aussi que Bombo vienne fréquenter, continue à fréquenter. Tu sais que ce sont les filles, les jeunes filles là. Maman, je demande les biscuits. Je demande les biscuits pour le gaspillage des argent que j'ai gaspillé. Je demande les biscuits, maman. Voilà, je veux prendre conscience. Maintenant, je vais prendre conscience, maman. Je ne veux pas que si quelque chose te arrive là-bas parce que tu dois travailler pour moi tout le temps. Et puis tu as les cigménages. Tu connais les cigménages? Oui, le presse. Que tu as le presse, tu tombes. C'est stress, moi qui perds. Le stress, c'est le presse que j'ai dit, maman. Ok, c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu sais que tu es ma seule soeur. Oui. Je t'aime beaucoup. Mais quand tu commences à faire les choses que tu faisais là, ça ne m'arrange pas. C'est les parismes qui me font comme ça. Parfois, on dit qu'il faut finir au cachet. Laisse tes choses parler. Oui. Laisse tes haïssements. Laisse tout ce que tu fais. Barthe, ne parle pas toi-même. Laisse tes choses que tu fais, tes entreprises, parler. Oui. On ne parle pas beaucoup. Et là, c'est la dernière fois quand je vais, si tu m'emmènes, tu veux qu'on me tue aussi. Oh, c'est la dernière fois. Voilà. Pour mieux vivre, il faut vivre. Caché. Voilà. Sosolé. Dans le cachet. Je comprends. Moi, je vais partir tout à l'heure. Voilà la reprise. Je vais d'abord avoir cette discussion avec toi. Donc, l'enveloppe que j'ai laissée là-bas, c'est ton titre. Maman, je vais te donner le contact de la personne qui suit le chantier et tu pourras continuer. La joie, la joie me fasse pleurer, maman. La joie me fasse pleurer. Voilà. Maman, que Dieu ajoute là où tu as levé et multiplie. Amen. Que tu te donnes les forces, maman. Rien ne peut t'arriver. Oui, même le sorcier de village qui va vouloir te manger ne peut pas te manger. Pas. Parce qu'il tient à main. Quand il va vouloir mettre sur son bouche comme ça, il va cracher plus. Alani. On va te lâcher. Alani, c'est ça ma soeur. Maman. Donc, je vais le Donc, on va le faire à m'embêter. Commencez, même les sacs, même l'autre valise là. L'autre valise là. Dans la valise là. Tu mets dans la voiture. On va partir. D'accord. Ok. Ok. Mais sinon, le séjour était bien, maman. C'était très bien. Maman, tu m'as donné les joies sur le cœur. Ma soeur, tu m'as donné les joies sur le cœur. Arrête de pleurer alors. Ouais, même quand les nouvelles sont bonnes, tu pleures. C'est la joie. C'est la joie qui me fasse comme ça. C'est ça. Ok. Ah, en tout cas, quand je reviendrai, on sera dans la nouvelle.